Et salut à toutes et à tous, ici Dark Sprite Angel. Et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle chronique sur ma chaîne secondaire. Et aujourd'hui on va parler de films, et oui. D'ailleurs, on va parler de Mad Max Fury Road, réalisé par George Miller, sorti en salle le 14 mai 2015. Et là je viens de sortir de la séance, donc on va faire une critique directement sur le grill, à vif. Mad Max Fury Road, alors qu'est-ce que c'est? Bah déjà, pour commencer, univers post-apocalyptique. Un truc bien sympa, c'est bourrin, ça tape et il y a du sang. Bref, Mad Max Fury Road, il porte bien son nom. Donc, route furieuse en français. Pendant tout le film, l'action va quasi jamais s'arrêter, sauf vraiment à quelques moments. Et donc tout le film va se dérouler sur la route. Du coup, il porte vraiment très bien son nom. George Miller nous a préparé ici une histoire qui est vraiment, vraiment... toujours dans le feu de l'action. L'histoire s'arrête que à quelques passages, comme je le disais tout à l'heure. Puis après, il y a le côté Michael Motherfucking Bay. Parce qu'il y a des explosions de partout, de l'action, de la nitro, des explosions, du feu, tout ce que vous voulez. Ce film regorge d'effets spéciaux et franchement, il vaut carrément le coup. Si vous avez aimé les anciens de Mad Max, vous aimerez à coup sûr Fury Road. Malgré quelques peu nombreux faux raccords et quelques facilités scénaristiques, j'ai beaucoup aimé ce film et surtout le scénario. Je trouve que c'est vraiment très bien monté. En clair, tout ce que je peux dire, Fury Road, c'est un bon film. Foncez le voir. On se retrouve la prochaine fois pour une critique un peu plus longue. Bref, c'était Dark Sprite Angel. Salut les gens!